Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. La délégation du Conseil consultatif électoral de la SADC rapporte info.cd a été hier reçue à l'ASINI par Denis Kadiman afin d'évaluer l'état des préparations de scrutins qui doivent se tenir le 20 décembre prochain, conduite par sa vice-présidente. Cette délégation de la SADC est répartie satisfaite après échange avec Denis et Kadiman. Processus électoral encore, la tempête des tropiques qui rappelle que nous sommes à un mois de la campagne électorale. En effet, souligne les quotidiens, c'est dans exactement un mois, soit le 19 novembre 2023, à minuit, que sera officiellement lancée la campagne électorale sur toute l'étendue de la RDC. Cette période sera sans nul doute particulière. Elle s'annonce rude. Différents leaders sont appelés à bien enseigner leur base sur la notion de la tolérance, la démocratie, le respect de l'opinion de l'autre. Pendant cette actualité, .cd nous apprend que l'ambassade des États-Unis en RDC va organiser ce jeudi 19 octobre à l'espace culturel américain, américain de l'Université protestante au Congo, la cérémonie de lancement de son programme sur les civismes électoraux. Entre-temps, à Bukavu, au moins 40 commandants de la police en formation sur la sécurisation des élections. La même session souligne Radio Okapi et simultanément organisée à Goma et à Bunia pour la même finalité. Autre chose, ouragan.cd s'intéresse à la rencontre entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et l'armée autour d'un repas décor à la cité de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi a appelé hier mercredi les officiers généraux, officiers supérieurs ainsi que les sous-officiers de l'armée congolaise à ne jamais trahir la nation. On termine par cette triste nouvelle du décès de Zachary Bandienguila, plus connu sous le nom de Némoine Dansemi, personnage énigmatique et tumultueux de l'espace public congolais. Zachary Bandienguila s'est éteint hier mercredi à Kinshasa, la capitale congolaise, à l'âge de 77 ans. L'information a été confirmée à Jeune Afrique par ses proches. Ancien député et président national du parti politique Mbundu Diamayala, Radio Okapi a souvent eu des démêlés avec les autorités congolaises ces dernières années. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Grande Tribune Nouveau Numéro. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau avec des thématiques. Premièrement, nous avons Bonaventure Ongala Longonola. J'espère que c'est bien. Il est
communicateur d'ensemble pour la République, cher Bonaventure. Bienvenue sur Congo Buzz Télévision et surtout, c'est votre première participation dans Grande Tribune. Oui, cher Daniel, je dis encore une fois de plus merci pour l'invitation. J'en profite aussi saluer ceux qui sont en face de moi, à QG et Feza, au moins la grâce aujourd'hui que nous partageons même plateau avec eux. Et les amis de l'autre côté, nous sommes frères, on est toujours frères. Et j'en profite aussi cette occasion et faire montrer ce que nous voulons demander au chef de l'État, qui est un monsieur qui est à l'hôpital, il s'appelle monsieur Salomon Idikalondadela. C'est un frère. Vous avez travaillé avec lui, vous avez marché avec lui, vous avez fait des tours, sillonné des tours du monde, ensemble avec lui. Mais aujourd'hui, il y a l'urgence qui s'impose, que l'homme est malade. Très bien, merci. Nous revenons, cher Bonaventure. Alors, je reçois également Héritier Gachi. Il est l'habitué de ces débats. Cher Héritier, bienvenue. Merci d'être associé à nouveau à cet instant d'échange patriotique. Mes salutations à mes débatteurs avec lesquels nous allons interagir autour des thématiques proposées par vous. Mm-hmm. Je pense que nous allons mener un débat houlé à la hauteur des attentes et des aspirations de notre peuple. Notre consultant maison. Maître Joël Kitenge, il est là. Ça fait un temps, surtout avec moi. Bienvenue, cher maître. Merci. Salutations à Maître Bouna, à Héritier Ngachi, qui sont tous deux, en tout cas mes frères. Hein. Très bien. Mes frères que je peux les tutoyer si facilement. Au Maniema, on dit Ongala. Tu as bien prononcé, c'est comme ça qu'on prononce le nom de Koussou. Je voudrais, de primo, pour reconnaître, saluer la mémoire d'un homme fort qui vient de tomber et qui est parti. Le seul et l'unique Congolais de cette génération qui a été élu dans plusieurs circonscriptions électorales et qui n'a jamais bâti campagne une fois. Némondantsemi, Zakari Badiangila. Il postule au Congo central. On affiche juste un calico, Némondantsemi, candidat député national, massivement élu. Et il ne vient jamais même voter lui-même. Oh. On lui dit, non, tu ne vas pas entrer au Congo central. Il postule ici à Funa, sans qu'il batte campagne. Il ne vient même pas élire, massivement élire. C'est l'homme atypique. Et même mon ancien pouvait postuler à Lubumbashi, à Goma, on l'élirait. Intelligent, ingénieur, chimiste, physicien, un haut cadre de la SNEL qui a démissionné dans la SNEL, qui a fait ses études même à Bruxelles. C'est un homme atypique, un cerveau qui vient de partir. Et là, c'est pour tous les notables du Congo central qui regretteront de l'avoir perdu, surtout dans cette période, dans ce moment si fort. Et nous saluons sa mémoire et son combat qui continuera à nous inspirer, nous qui sommes jeunes et qui voudrons peut-être embrasser une carrière, une dimension telle que Mandasemi a pu faire pendant ces décennies. Merci beaucoup. La première thématique, probable accord de 2018. Doit-on prendre au sérieux? C'est une question tentative des réponses dans quelques instants. La deuxième thématique, c'est élection 2023. Un report est-il envisageable? Alors, nous prenons la toute première qui est probable accord de 2018. Doit-on prendre au sérieux? Je voudrais bien que je commence avec cette question, avec notre ami Bonaventure. Nous avons suivi des déclarations dans des médias étrangers. Sûrement, vous avez eu à suivre, à checker, à comprendre au juste qu'est-ce qui se passe et quelle est votre part de lecture par rapport à ce que l'ancien président de la CENI est en train de dire, cher Bonaventure. Oui, cher Joël, je dirais à ce sujet, monsieur Daniel, je m'excuse encore une fois de plus. À ce sujet, je dirais, si il y avait accord en 2018, ce n'est pas moi qui le confirme, mais plutôt monsieur Nanga a tout dit. Et auparavant,
je voyais les hommes de l'FCC parler, tourner sur ça, qu'il y avait accord entre eux et le président en fonction. Je cite le président Tshisekedi. Et aujourd'hui, c'est Nanga qui vient encore nous confirmer et nous reconfirmer encore, dire qu'il y avait accord entre l'ancienne majoritaire et le président en fonction aujourd'hui. Je me pose la question maintenant sur ça. Si et seulement si il y avait accord entre M. Kabila, qui est l'ancien président, et le président Tshisekedi qui est en fonction aujourd'hui, je me dis, l'accord était basé sur quoi? C'est la question que je me pose aussi. Et si Mnanga était aussi de la partie, c'était quoi son apport dans la dite accord? Et lui qui était à la CENI, je pense bien, c'est une institution qui est apolitique. Mais quand Nanga se gère maintenant entre les deux politiques qui signent leur accord et que lui était à côté, il voyait, sans revenir à la population que nous sommes, nous dire la quintessence de l'accord de au départ, et Nanga a accepté de prendre le fardeau, de publier M. Tshisekedi comme président, provisoirement, malgré qu'il a été confirmé par la Cour constitutionnelle. Mais je me dis, est-ce que Nanga, aujourd'hui, Nanga veut revenir à la raison, dire qu'il a été aussi traître, complice pour nuire la République, ou comment? C'est ça la question qu'on se pose aussi tous. Okay. Mais je me dis, M. Nanga, je lis dans lui, c'est comme si, quelque part, il a été lésé. Il est lésé par ses intérêts, qu'il n'a pas été beaucoup plus à son avantage, peut-être on l'a arraché quelque chose, qu'il a choisi maintenant l'extérieur du pays, à l'étranger, à le dire ce qui commence à révéler aujourd'hui. Et je me dis encore une fois de plus, de tout ce que M. Nanga parle, s'il parlait à l'interne, peut-être on aurait déjà trouvé la solution depuis. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne encore beaucoup plus, M. Nanga en parle, c'est à quelques jours des élections. Okay. C'est là où maintenant il y a un danger. Je me dis, est-ce que M. Nanga en parle pour soulever la population, ou soit M. Nanga en parle pour acquiser M. Tshisekedi, ou soit M. Nanga en parle pour mettre encore en doute nous qui irons encore aux urnes d'ici là, aller voter encore. Si ça arriverait que M. Tshisekedi devienne encore président pour la deuxième fois dans ce pays, est-ce que nous allons croire encore là, Nanga nous mettre en face, en doute, en face de la CENI de M. Kadima aujourd'hui, et en face du résultat des élections de 2024. Parce que personne ne peut accepter que M. Tshisekedi a réussi aux élections. Parce que, au départ, c'est lui qui était le président, le chef de la CENI, nous a dit que M. Tshisekedi n'a pas réussi aux élections, mais M. Tshisekedi a été nommé. Que dire maintenant aux échéances prochaines à venir? C'est là maintenant il y a un problème. Mais moi, je dirais à M. Nanga, il est temps de revenir à la raison. C'est-à-dire nous dire ce qui est juste et réel. Qu'il ne parle pas dire, parce que j'ai entendu hier, on lui a posé la question, il a dit, ce n'est plus le temps de revenir sur ce qui a été passé, mais lui veut seulement relater le fait. Non! On ne peut pas arrêter les faits sans revenir ce qui était passé hier. Nous voulons d'abord savoir le passé était quoi. Merci. C'est ça notre souci. Nous sommes Congolais. Alors, cher héritier, vous avez également suivi l'information. Nanga dérange maintenant. Vous sentez qu'il est franchement déterminé à tout dire, à tout révéler. Mais jusque-là, comment avez-vous accueilli sa manière de traiter les dossiers? Je ne vais pas revenir sur des choses que j'ai du mal à comprendre, dites ici tantôt par mon frère d'en face. Je veux lui laisser se perdre dans ses confusions. Mais je reviens sur votre question s'agissant de Nanga. Il est pour moi indécent d'être invité sur ces plateaux prestigieux pour parler d'un clown comme Nanga. Un personnage de cirque, un vagabond qui
n'a ni repère, ni moralité, ni éthique. Mais si, parce que c'est devenu un débat public, avec l'influence des médias, parce que les médias aussi ont ce rôle d'imposer des sujets, je dirais, des sujets de moins importants, de moindre importance, l'imposer sur la place publique à cause de ces matraquages médiatiques. Nanga l'argent, qu'il a, bien entendu, obtenu par des moyens peu commodes, notamment avec la machine à voter. Cette machine à voter qui coûtait 400 $, vendue ici à 1 500 $, dans l'opacité la plus totale, sans passation des marchés, respectant les normes, c'était des marchés à gré, il s'est fait de l'argent. Mais là, l'argent qu'il a amassé de manière aussi pompeuse lui pousse à utiliser les médias pour nous imposer des sujets de moindre importance qui n'intéressent pas la société. Car cela ne tient, nous pouvons y placer un mot. D'abord, un, on nous dit tantôt qu'il y a eu accord. C'est ça. Si accord devait y avoir, et ça ne se passerait pas dans les offices de Nanga. Parce que Nanga n'est pas censé jouer la médiation entre les acteurs politiques. Il était président de la CENI. Il était malheureusement président de la CENI. Je dis malheureusement. L'un des présidents de la CENI les plus médiocres que ce pays ait connu. Il a eu, lui, le temps d'avoir des zones pilotes pour justement les opérations, notamment d'enrôlement des électeurs. Même après avoir expérimenté les machines dans les zones pilotes, les premiers enrôlements ont duré 5 mois, d'autres 3 mois. C'est-à-dire, on a pris un charlatan à la tête de la CENI qui était véritablement un homme de course de l'ancien régime. Et avec le temps, il s'est illustré comme étant un acteur politique à part entière au service du Rwanda. Parce que même là, à partir de là où il fait ses déclarations sur Rwanda, on apprend dans l'hymne de résidence pompeuse de Paul Kagame. C'est à partir du Rwanda. Okay. Un message sorti d'un personnage, d'un clown comme celui-là, comment devons-nous y accorder de l'importance? Encore qu'il avait la qualité qui lui interdisait de participer dans des négociations politiques, soit-elle. On parle d'un accord. Mon frère dit tantôt, les accords, Nanga confirme et reconfirme des accords, mais lui-même ne sait pas de quel accord s'agit-il. Parce que quand je le suis vu, dans son développement, il dit, il fait des liens avec la publication des résultats et ainsi de suite. Si y a eu tricherie, si accord politique, un arrangement aurait été organisé, qui serait le premier criminel? Qui serait le responsable? Parce qu'il avait la responsabilité de dire la vérité. De dire la vérité, la vérité électorale, à travers le suffrage exprimé par le peuple. S'il ne l'a pas dit, allons dans cette hypothèse, dans son égarema, dans ses hérésies, s'il n'a pas dit la vérité des urnes au peuple congolais, qui est le responsable de cette aventure, de cette comédie, de cette farce? Mais c'est lui, Nanga, en premier. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est pour la première fois que je vois quelqu'un se vanter pour ses bêtises et ses idioties. Et il s'en tape la poitrine. Il se bombe les tox d'avoir été celui qui a orchestré une bêtise, une idiotie. C'est la première fois que je vois un homme de cette nature. Je pense que Nanga est en train de participer à la stratégie du Rwanda, celle des ennemis de la République démocratique du Congo. Envoyer des messages pour créer l'électrochoc dans l'opinion, la psychose, la désinformation, désorienter l'opinion, des objectifs, du progrès. Parce que nous avons un homme, le président de la République, qui a non seulement mis des bases pour la relance de ces pays, pour la reconstruction de ces pays, et pour ça, le peuple congolais voudrait lui donner un second mandat. Les FCC, les camps d'enfance, étant donné qu'ils savent qu'ils n'ont qu'un discours, ce sont des gens qui malheureusement, par les temps, au cours des temps passés, le peuple s'est rendu compte qu'ils jouaient la carte de l'ennemi. Vous savez que tous ces camps ici, que ce soit Nanga, Kabila, Katumbi et autres, personne d'entre eux n'a osé condamner l'agression rwandaise. Personne n'ose le faire. Mais parce que tout simplement, les multinationales qui alimentent leur parti politique véritablement, ce sont des gens qui sont en connivence avec l'M23, en connivence avec Paul Kagame. Maintenant, pour créer cette ambiance d'instabilité,
des désinformations. On c'est utilise Nanga des cires, Nanga et tout ça. Et c'est son interview, parce que je suivis son interview dans une chaîne de la place que je refuse de citer. On lui pose la question par les patrons de cette chaîne. Mais quel accord avez-vous participé? À quel accord avez-vous participé? Il dit, l'accord dont il s'agit, c'est l'accord de gouvernance. Il y a un président, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a gagné les élections présidentielles, mais qui n'avait pas de majorité. Très bien. Et c'est de cet accord qu'il s'agit. Et même quand il s'agissait de cet accord, lui, Nang avait quelle qualité pour participer à un accord de gens qui ont gagné des élections? Parce qu'il y a Joseph Kabila qui aurait gagné les élections avec ses élus nationaux. Et il y a le président de la République qui a gagné les élections au niveau de la du président de la République. Mais comment lui, le président de la CENI, devait-il participer? Il dit, j'ai participé aux premières loges. En qualité de qui? Cette messe a été dite où? Quels sont les tenants et les aboutissants de cet accord? Quelles sont les clauses de cet accord? En réalité, M. Nanga est en train de se discréditer davantage. Il ne fait que confirmer ce que nous disions, que c'est un clown, c'est un vagabond, un homme sans scrupules, sans moralité. Et avec le temps qui court, le peuple congolais se rend compte que c'était un véritable kamikaze qui était à la tête de la centrale électorale. Maître Joël Kitenge, Nanga est déterminé à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à dévoiler tout ce qu'il y a eu comme secret, désaccord, jusque-là qu'il n'a pas encore publié. Jusqu'où? Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette histoire? John Numbi s'est levé pour dire il y a eu ceci, ceci, cela menaçant la République. Aujourd'hui, c'est Nanga qui revient. Votre réaction? Merci de la question. Donc, je crois que c'est une émission par principe, par respect aux téléspectateurs, à tout. On est censé répondre. Ce qui doit être fait, c'est de se taire. Là, ce n'est pas moi, je parle de Nanga. Ce qui devait être fait, c'est de se taire. Alors, je voudrais bien regarder le principe politique qui dit d'intérêt et de l'action, même le ciel. Pas d'intérêt, pas d'action. Jésus a été envoyé pour une mission et l'intérêt de Dieu, c'est de sauver l'humanité par le sang de Jésus. Et ici, il y a un clown, le véritable, qu'il faut qualifier dans cette tentative opération A, opération B et C, je vais démontrer, c'est M. Kabila. Oui, oui, c'est M. Kabila qui parle dans la bouche de Nanga et c'est M. Kabila qui parle dans la bouche de Numbi. Et c'est M. Kabila qui parle encore dans la bouche de Katumbi. Voilà le plan A, B, C. Je vous le demande. Alors, lorsqu'on parle de l'accord de gouvernance, chose pour tous ceux qui ont fait la science politique administrative, savent que quand une élection s'organise, il y a des députés qui sont élus pour constituer la majorité au Parlement et le gouvernement est fruit de la majorité au Parlement. Donc, c'est la majorité qui donne naissance à son premier-né qui est le gouvernement. Et depuis 1960 jusqu'à ce jour, aucun pays, nous en avions eu des élections, il ne faut pas parler que de 2006, il y a eu des élections dans ce pays. Aucun parti politique n'a réussi à avoir la majorité. Si ce n'est dans la partie triste histoire de voter vert ou voter rouge ou jaune, du temps où l'impère comme parti État a pu avoir la majorité elle-même et ainsi on a créé le comité central, on a créé tout ce qu'il y a eu. Dans les contextes de multipartisme où plusieurs partis politiques, sauf celui qui y a un peu plus de majorité de députés, n'atteint pas 100. En 2006, celle que PPRD avait eu 114 députés seulement. Pour avoir une majorité, il faut 250 plus 1. Comment on le fait? On crée un accord. On se fusionne autour d'une majorité pour donner naissance à un gouvernement. Même au sein de celui qui pouvait avoir un certain nombre de députés. Dans le cas de Figuier, un candidat président de la République gagne et en espèce, il n'a pas la majorité au Parlement. Alors, un accord s'installe, l'accord de gestion. S'il faut réfléchir en scientifique, est-ce que c'est un péché politique de gestion? Ça, c'est d'après Nanga, c'est un péché politique de gestion. Alors, pourquoi un tel péché comme Nanga ne peut pas profiter de la gratuité pour réapprendre?
profiter de la gratuité. Il peut commencer même en sixième primaire et il réapprend ce qu'il n'a pas su apprendre. Je voudrais ici me questionner, puisque d'après les programmes de la CENI, pour diriger la CENI, comme président de la CENI, ou encore pour être le SEN, le secrétaire exécutif national de la CENI, il fallait avoir un diplôme de troisième cycle. Okay. D'après le dossier de Nanga, il aurait un diplôme de troisième cycle dont nous ignorons l'université. Oh. Et dans quelle filière, dans quel domaine? Il prétend avoir un diplôme dont je ne connais pas s'il est vraiment diplômé en quoi d'autre. Mm-hmm. Dans le contexte clair, en quoi un accord de gestion politique est un péché en sciences po politique, ou en gestion politique? Nous faisons quoi à nos jeunes étudiants qui nous regardent quand un scientifique se permet de passer à une chaîne comme TV5 et les étudiants regardent chaque jour à 21h30 le JT Afrique et on attend juste un bruit d'un tambour trué qui est en train de raconter des inerties scientifiques. Et bien ça, c'est l'épilepsie dans les raisonnements. On ne peut pas ici s'appeler et discuter des épileptiques et politiques. C'est pas peut-être... Et qui met dans le raisonnement et en train d'incuber dans le mot, dans la phrase. Et il vient à demi-mot, à demi-ton pour réfléchir sur un vide. Je suis en train de démontrer un vide. Des débats, accords de gestion, ça existe à travers le monde. Ce n'est pas peut-être sous le respect de cet accord qui est en train de s'en parler. Mais cet accord est politique. Alors que la gestion de l'État est soumise aux lois de la République. Et les textes qui régulent comment les institutions doivent fonctionner dans un État, c'est la Constitution. Voulez-vous qu'un homme comme Félix Tshisekedi respecte ses engagements avec des individus, même quand ces événements nuisent à l'intérêt général de l'État? Et j'appelle Félix Tshisekedi tous les jours. Monsieur le Président, ne respectez aucun accord et ne tenez compte d'aucun accord qui nuise à l'intérêt général et qui freine l'avancement d'un État. OK. Ça, c'est l'aspect général. Dans le contexte où on lui demandait « Est-ce que vous voulez parler de vérité des urnes, de Martin Fayoulou ou de Numbi ou de certains tripes ?» Il souligne même que dans cet accord-là, il y a la présence des généraux, il y a la présence... Bon, dites-moi, les généraux aussi ont été élus par les résultats de Nanga? Que viennent faire les généraux alors qu'ils ne sont pas députés? Nous étions en train de gérer quoi? Et je peux vous dire que Kabila n'est qu'un démon qui était vêtu de chair et des os et de la peau pour exister en silhouette qu'on a appelé le président de la République, mythomane, sous la gestion téléguidée du Rwanda. Et à ce contexte, Kabila, ne sachant pas quoi faire, il est démasqué de tous les Congolais que c'est un sujet rwandais qui a réussi à se katanganiser par certains Katangais et par la suite se congoliser par certains inconscients et enfin, il les a libérés l'argent, impunité, laxisme, gabegie financière pour qu'on ne creuse pas sur sa personne. Étant découvert, mis de côté par la présence des Congolais, des pères et des mères, il tente maintenant un moyen de créer la psychose dans la conscience générale. Alors, on utilise un autre civil de nature et de tout fait, qui n'a jamais fait l'armée, qui n'a jamais un parcours militaire, et il n'a jamais été enrôlé dans l'armée. On le sort de la Jiférie où il était grandi à Kolwezi, dans les quartiers, dans l'école de Jekamine, où il a étudié, un réparateur de congélateurs, de télévisions et radios, mais c'est Numbi, on le pompe, premier garde de l'armée, colonel. Il ne connaît les ABC de l'armée nulle part. Même lui-même, en s'adressant aux Congolais, les fameux mythomanes, s'est réservé de dire « je parle comme général », il a parlé « je parle comme citoyen ». Puisqu'il n'a aucune qualité, ça c'est un. Même si cette qualité lui pompait de l'armée, étant déserteur, la désertion vous fait perdre toute la qualité. L'écho de Numbi n'a pas bougé les lignes. On utilise Nanga 1. Okay. Nanga 1 parle d'un accord dont il a rédigé, il va révéler. Nous lui appelons M. Brandissé, l'accord produisé. Il se fit en Angola.
En Angola, il a éclipsé et il se trouve aujourd'hui à Kigali. C'est à Kigali que cette émission a été enregistrée. L'émission de Nanga. De Nanga. Nanga est à Kigali. Okay. Il se retrouve être à Kigali. Et lui-même n'est pas même Congolais d'origine puisqu'il a ses parents qui sont du Sud-Soudan. Oh, maître Joël Kitenge. C'est un Sud-Soudanais, Nanga, que vous attendez. Bien sûr. Ok. Terminé. Il se retrouve être au parrain de la gestion de 18 ans et le parrain de Katumbi. Vous imaginez que Katumbi est à mesure de gagner un jugement au Tricom Kolwezi et pour la certification de l'exécution de jugement, on part certifié au Rwanda. Je peux vous produire les actes. J'en ai 45 actes, chaque pièce, même le dossier déposé à la CENI pour amener au notaire ici. On a amené au notaire qui a l'ambassade de la République démocratique du Congo du Rwanda pour le certifier. Pourquoi? Puisque le service de l'ambassade, il y a un oncle de Mme Karine, là-bas. Comment un dossier à Lubumbashi, vous le certifiez au Rwanda et vous le déposez à la CENI au boulevard du 30 juin? Le un jour qu'on a demandé. Eh bien, je vous le répète. Okay. Les Congos, tous les Congolais, bon, si je ne veux pas monopoliser la parole, terminé, tous les Congolais savent que ces jeux-là, personne ne peut se fier. Les élections seront organisées. Je reviens. Pourquoi Nanga, moi je crois que c'est la dernière fois que je réponds à cette question et j'appelle tout le Congolais de bonne foi. S'il peut identifier là où est Nanga et le faire fermer la bouche, il sera ovationné par tout notre peuple. J'ai dit le faire fermer la bouche, peut-être pour du bon. Vous avez cité ici que c'est il y a des individus qui sont derrière, peuvent susciter quelqu'un d'autre pour alimenter la guerre médiatique maintenant. La guerre, les individus, vous pouvez arriver là qui non, l'individu qui parle ici, puisque la première point A, vous savez que Kabila utilisait la bouche de sa femme. On a trouvé qu'elle était beaucoup plus douée dans les théâtres, dans les cirques. Moins pertinente. Moins pertinente, pas de niveau, pas de taille. Oui. Et les Congolais la prenaient comme quelque chose de Aïda ou quelque chose de Makalunga et tout ça. Et à ce niveau, elle retire sa pièce de théâtre qu'on appelle Olive. Elle lance une deuxième pièce de théâtre, Numbi. Il lance une troisième pièce de théâtre qui est Nanga. Et les Congolais, ça ne bouge pas dans la ligne. Les Congolais sont bétonnés dans le raisonnement. Merci beaucoup, maître Joël. Alors, cher Bonaventure, votre réaction par rapport à tout ce qu'on vient de dire par monsieur Héritier Gafi ainsi que maître Joël Kitenge. Allez-y. Ça me fait couler les larmes aux yeux, malheureusement. Je pensais, peut-être, je suis en France des hommes, malgré qu'ils sont au pouvoir. Pour l'intérêt général, l'intérêt de la nation, on peut toujours partager les idées. Très bien, mais je le trouve dans les fanatismes et dans les qualifications que je ne tiens même pas debout. Je dis à M. Joël, quoi, M. Héritier. M. Héritier dit, Nanga, c'est un inconscient. Écoutez, nous ne sommes pas venus chercher à qualifier les autres ici. On est venus discuter sur les sujets qu'avait parlé Nanga. Est-ce qu'il y avait accord ou pas? C'est là où nous sommes. On ne peut pas aller au-delà. Que Nanga soit inconscient, qu'il soit conscient, qu'il soit qui que ce soit, ça n'engage que lui et sa personnalité. Mais nous sommes ici, si les débats qui disent seulement juste les limites, est-ce qu'il y avait un accord entre M. Tshisekedi et Kabila? Si cela était vrai, mais Nanga nous confirme aujourd'hui, poser la qualité de Nanga sur l'accord, Nanga fut le président de la CENI, centrale électorale, où rien ne pouvait passer sans que Nanga ne soit informé. Ça, c'est de un. Il faut en noter. Deuxièmement, je vais vous dire, la qualité de Nanga n'est pas à comparer avec la qualité de l'agent de l'UDPS, celui qu'on a recruté. Il est là aujourd'hui. Tout le monde sait que non, Monsieur Denis Kadima, c'est l'un de l'UDPS. Il fait un combat de l'UDPS. Monsieur Denis, écoutez, l'UDPS. Oui. Comment ça? Il a été de l'UDPS. Il lui fait un membre de l'UDPS. Est-ce que la première fois d'écouter ça aujourd'hui? Malheureusement, ce n'est pas moi qui affirme ça aujourd'hui. Je veux que récapituler ce que les autres ont dit. Très bien. Je dirais encore à monsieur, s'il faut comparer la semaine de Nanga
et la scène de Kadima aujourd'hui. C'est là entre le jour et la nuit. La qualité de la carte que M. Nanga nous a produit. Attends, je vais vous le montrer aujourd'hui. Et que vous preniez la qualité des cartes de Nanga, c'est ça. Et vous prenez aussi de M. Kadima. Quand monsieur évoque ici que non, Nanga a pris l'argent de l'État, il s'est fait enrichir. Entre Nanga et Kadima, qui devait être aux arrêts aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons? Je pense bien les Congolais sont, ils sont conscients. Si cela est vrai, que M. Nanga s'est enrichi à la République démocratique du Congo, entre Nanga et Kadima, celui qui allait être arrêté à l'instant où nous parlons, ouais, c'est M. Kadima. Pour avoir fait quoi? Il a volé l'argent de la République. Quel argent? Vous confirmez ça? Je confirme. La carte qui nous a produit, elle est là. La carte est là. La carte en parle tout. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la carte en parle tout. Tout ce que je devais moi évoquer, okay, sur ce sujet, mais la carte a tout dit, tranché. C'est ça le problème. Mmh. Et Maître Joël, c'est un avocat. J'apprécie mon vieil, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Quand il veut voir Katumbi partout, c'est qu'il fait mal. Katumbi ne parle pas des secteurs du partout. Katumbi ne parle pas de l'Union sacrée partout. Katumbi parle de lui et son parti politique. Et nous, c'est lieutenant. Mais quand je vois les amis d'enfance, à chaque problème, c'est Katumbi. Il y a l'accident, c'est Katumbi. Manque de passeport, c'est Katumbi. Manque d'avion, c'est Katumbi. Je me pose la question, c'est Katumbi qui gère la République. Un citoyen, un Congolais, qui prend maintenant la République en otage. C'est triste. Si vous êtes capable de faire de ce que les Congolais vous ont élu et de ramener la réponse au problème des Congolais, vous voulez tout justement chercher les noms de Katumbi partout. Katumbi n'est dit ni de près ni de loin sur l'affaire Nanga. Parce que quand l'accord entre Tshisekedi et Kabila était à Kigakati, Katumbi était en exil. À quoi vient faire le nom de Katumbi? Dans vos échecs, moi, les conseils que je vais produire aux amis d'enfance, terminé. Le frère qui sont là, c'est de s'assumer. Vous devez vous assumer à ne pas chercher le nom de Katumbi partout. À ne pas chercher les résultats, vos échecs, sous le nom de Katumbi. Non! Katumbi n'est qu'un simple Congolais. C'est lui qui travaille à l'intérêt des Congolais. Vous, vous travaillez à l'intérêt de vos poches et vos familles. C'est la différence entre vous et Katumbi. Je pense merci. Les Congolais doivent vraiment retenir quelque chose, que Katumbi n'est pour rien pour cette affaire-là. Très bien. Merci beaucoup, cher Bonaventure, pour votre réaction par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Nous prenons la deuxième thématique qui nous apparaît très importante pour cette partie élection 2023, un report est-il envisageable? Je voudrais bien commencer cette question avec un cher héritier Nkashi. Comment vous êtes de l'Union sacrée? Il y a beaucoup d'histoires qui se rencontrent. Heureusement, nous l'avons dit dans notre prévue de presse que l'équipe de la SADC était venue à rencontrer Denis Kadima et elle est sortie satisfaite. Il y a des gens qui disaient qu'il y a des réunions par-ci, par-là. L'Union sacrée est en train de tout faire pour qu'il y ait dialogue. Quelle est votre lecture? Avant d'arriver à votre question, laissez-moi revenir tant soit peu à ce que j'ai rencontré ici. J'ai entendu sur ce plateau de la part de M. de Katumbi. Quand je ferme les yeux et que je l'écoute, j'ai comme l'impression que je suis en face de Katumbi. C'est-à-dire quoi? Il est comme son père politique. Incohérent. Non seulement incohérent, mais il dit des choses qu'il ne maîtrise pas. Je comprends que Katumbi est en train d'abrutir la jeunesse. C'est un danger, c'est une menace. Katumbi que vous voyez. Des gens que je vis hier intelligent, une fois membre du parti de Katumbi ou je ne sais quoi, de sa boutique, ils finissent par, je dirais,
s'appauvrir. En fait, j'assiste à une sorte de coma scientifique. Quand vous suivez les prestations de Katumbi lui-même, il ne sait s'exprimer ni en lingala, ni en français, ni en tchouluba, ni dans aucune langue nationale, ni dans aucune langue officielle. Il parle, mais ni en anglais. Mmh. Et c'est pareil pour tous les 4 militants de ce parti politique. Même ceux qui étaient intelligents hier, une fois dans ce parti politique, finissent par s'abrutir. Et c'est un danger, c'est une menace pour la jeunesse. Je demande à mon frère de quitter cette formation politique. Non. L'intelligence, le peu d'intelligence qui lui reste, avec le temps qui court, risque de lui être amputé. Parce que quand vous avez pour modèle, pour référence, quelqu'un qui n'a aucun niveau d'instruction, aucun diplôme, comment voulez-vous vivre dans l'humiliation, procéder à la recherche, revoir votre niveau, parce que votre modèle a gagné sa vie facilement. On parle de Katumbi, il n'est pas dans ceci, il n'est pas dans cela, il n'est pas dans cela. Mais il peut nous répondre, Katumbi c'est un simple Congolais. Au lieu que nous parlions de la gestion de la République, nous parlons de Katumbi. Lui Katumbi qui vous parle, à vous, de lui, vous a-t-il parlé de sa mère, qui était sa mère? Il vous a-t-il dit qui était son père? Il vous a dit où était son école, il est étudié où? Moi j'ai étudié à l'université de Kinshasa, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Maître Joël vous dira là où il a étudié. Oui. Mais votre président vous a aussi dit là où il a étudié, merci. Qui était sa mère, qui était son père. Merci, donc, nous nous rendons compte que nous sommes en face des mercenaires qui pensent que la République démocratique du Congo est une poubelle où tout fou du monde peut se permettre de s'arroger une place et les droits et les privilèges sur cette poubelle. Non, le Congo des poubelles, c'est celui des Kabila. Mmh. C'est maintenant un Congo, un territoire qui appartient à ses propriétaires. Et nous, nous sommes les propriétaires de la République démocratique du Congo. Nous avons les droits de veiller sur ces pays et de les développer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ouais. Contrairement à nos frères, c'est un gouverneur du Katanga. Il a saucissonné la Jekamine. Nous savons qu'a été sa gestion comme gouverneur du Katanga. Je ne vais pas trop parler là-dessus. J'attends des choses sur Nanga. Je n'ai pas parlé d'inconscient. Vous avez bien fait de le qualifier d'inconscient. Oui, évidemment, il est inconscient. Parce que quand vous êtes président de la CENI, s'il vous plaît, quand vous êtes président de la CENI, vous révélez une chose qui est normale. Est-ce que ça vous devait faire un débat? Qu'on parle d'un accord politique, de gouvernance. S'il te plaît, gagnons le temps. La question d'élection. Merci. S'agissant des élections. Probable report. Probable report, les mots report n'existent pas dans notre vocabulaire au sein de l'Union sacrée. Okay. Nous voulons de ces élections, mais pas organiser des élections par notre volonté. En 2023, c'est une erreur politique. Non seulement nous allons, bien entendu, interrompre cet élan démocratique, mais aussi, nous risquons de tomber dans la crise de légitimité des institutions ainsi que de leurs animateurs. Nous, nous sommes de l'école de la démocratie. Le président Félix-Antoine Tshisekedi n'a milité toute sa vie. Toute sa vie. Je ne parle pas de Joseph Kabila qui dit qui a sacrifié sa jeunesse. Je ne sais pas de quelle jeunesse. Mais moi, je parle du président Félix-Antoine Tshisekedi qui n'a passé que toute sa vie à militer pour la démocratie, pour l'avènement d'un état de droit. Et donc, un démocrate à la tête de notre pays, soyons rassurés qu'il y aura effervescence de la démocratie. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, en 2023, nous aurons des élections. La délégation de la CIRG, SADEC, je ne sais quoi, par moment, ils doivent. Les gens doivent arrêter aussi avec ces comédies. Les élections relèvent de la souveraineté d'un État. Aux États-Unis d'Amérique, ils doivent aussi avoir des élections. Vous avez vu une délégation de G20 là-bas ou de G7? Pourquoi seulement la République démocratique du Congo, il doit y avoir une délégation de ceci, de cela? Non, il est de notre responsabilité. C'est comme si les gens doivent nous rappeler nos propres responsabilités. Ils viennent s'assurer. Nous avons notre constitution, ces pactes scellés, qui nous rappellent une obligation, une contrainte, que tous les 5 ans, nous devons avoir des élections. Mais après, il faut qu'on ait des gens épris d'esprit de démocratie, comme nous le sommes aujourd'hui. J'ai entendu à ce sujet même l'intox sur la personne du professeur Modeste Bahati, comme quoi il aurait échangé avec les membres de sa formation politique
pour leur demander de geler leurs dépenses relatives à la campagne électorale. C'est ce qu'on aurait tous appris. Une bêtise, un autre intox, monté de toutes pièces par les clans Kabila. Oh. Oui. Pourquoi vous voyez toujours Kabila partout, cher? Mais Kabila, je risque de dire qu'il est le démon de ces pays. Non, il n'est pas le démon, mais sa gestion a été démoniaque. Et donc, ces gens refusent que le Congo avance. C'est comme quand on nous parle dans nos églises de réveil, de gens qui ont des liens de famille, qui ne veulent pas que les gens avancent. Et Kabila aussi, véritablement, a des liens. À lier ces pays pour qu'ils n'avancent pas. Maintenant, le fait de voir que ce pays est en train de prendre et de revenir sur le chemin de développement, ça ne peut que l'air attristé. Et la misère du peuple congolais fait leur bonheur. Notre bonheur, c'est leur misère, c'est leur tristesse. C'est pour cela qu'à chaque fois que les Congolais sont en train de tenter de développer ces pays, et nous viennent avec des distractions de cette nature. Alors, Maître Joël, votre lecture par rapport à cette question? J'ai tenté de chercher un dossier ici, que peut-être je trouverai, je vous renverrai. Merci beaucoup. C'est un dossier qui m'inquiète énormément. L'université de Lubumbashi, que je connais à merveille, aurait une école, l'université lui-même, on a un titre, l'université de Lubumbashi en bas, école de criminologie. Oui. Je ne sais pas, il y en a? Oui. L'université et puis l'école. L'école. Et quand vous terminez dans l'école, vous êtes élève ou vous êtes étudiant? Puisque c'est une université qui, dans l'université, il y a l'école. Oui. Comme je connais l'Unikin, il y a l'école, c'est moi en bas. Moi, je connais l'Unikin, l'école, c'est moi en bas. Alors, puisque je vis un travail de fin de cycle où un certain individu venant de la Zambie et d'un père juif a pu faire l'école de criminologie. C'est après avoir fait les études primaires? Je ne sais pas. Et dans le TFC, il y a un titre, un sujet qu'il a développé. Par rapport à la gestion... Non, maintenant, le titre du TFC, d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec la criminologie. Vous amendez la dimension. Je ne peux pas comprendre. Je vous trouve ça, je vous le donne et je donne à mon frère. Lui, c'est mon frère Rongala. Oui. Je lui donne ça. TFC. TFC à criminologie. Et j'ai cherché dans mes enquêtes le jour où il a fréquenté les cours et ses proches disent qu'il a fait par correspondance. Comment vous habitez Lubumbashi, vous étudiez par correspondance? Ça ne fait que quelques minutes avec la voiture. Vous êtes là où les cours. Qui sont tes collègues de promotion? Il n'y en a pas. Et comme théorie, il met la criminologie, la criminalistique en pratique. On commence à mettre les gens dans les sacs dans la ville de Lubumbashi. Vous trouvez 6 cadavres dans un sac enchaîné, puisque ça, c'est le stage qu'il a, le stage professionnel de son cours, de M. Katumbi. Stage Kadiombo. Comment pratiquer maintenant la criminalistique et les crimes? C'est sur Kadiombo. Deuxième stage, Chéri Bonken. On parle de qui ici? On parle de quoi? Qu'est-ce qu'on a fait développer ici? Nous parlons les temps, on ne parle pas Katumbi. Si il veut qu'on parle Katumbi, oui, on développe Katumbi. Non. On parle Katumbi et on développe Katumbi. Maître Avançon, s'il vous plaît. Nous parlons l'État. Et je ne me souviens pas les jours où M. Katumbi a parlé de la République démocratique du Congo et de l'État. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il pense de la sécurité. Quelle est sa vision du point de vue sécuritaire? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Jacques Ndala dit, il n'y a aucun débat dans ces partis. Non, ils vont bientôt. Ils ne discutent pas, ils ne se racontent pas. On ne sait même pas toutes ces décisions viennent d'où. Maintenant, comment au sein d'un parti, il n'y a pas de discussion? Vous mettez en place les idées qui coordonnent et qui dirigent votre structure comment? Qui est la tête pensante de ces partis quand il n'y a pas de réunion? On veut parler de quoi? Aimer le Congo. Katumbi aime le Congo. Katumbi travaille pour le Congo. Il l'a dit. Je vais commencer par vous dire l'équipe de football Mazembe qui existe avant que lui vienne de la Zambie.
puisque Mazembe est plus vieux que l'âge de son père. C'est depuis l'époque coloniale, vous connaissez, vous avez vécu à Lubumbashi, et ce stade-là, où était le stade catholique, acheté, les factures existent, à ce moment-là, c'est le gouverneur Takizala qui était le gouverneur du Chaba. Quand Mazembe gagne la compétition interafricaine et le don du président de la République d'Isaïe par le gouverneur Takizala, c'est le stade de Kamalome. J'insiste, mais c'est un escroc outrance. Il détourne même ceux qui ne connaissent même pas l'origine. Il pense que les gens souffrent de l'amnésie. Et mais vous transformez tout à votre propre, alors que l'histoire est là, les documents sont là. Et puis, il n'a pas réussi à changer le certificat d'enregistrement du stade, qui est un bien de l'équipe, dont l'équipe existe avant que lui soit venu de la Zambie. Il est président de la République. Il est candidat président de la République. Non, non, son dossier sera rejeté à la CENI. Je vous insiste. Et si vous voulez que je vous développe les fondamentaux, pourquoi ce dossier sera rejeté, on développe. Les dossiers de Katoumbi. De Katoumbi, vous verrez la liste de la CENI, son dossier sera rejeté pour incohérence, insuffisance. Vous imaginez que ce monsieur envoie Hervé Diakès, un avocat, avec des papiers en copie libre et Kamitat. Et ils prennent un avion pour déposer les copies libres. Pourquoi? Puisque les originaux sont restés en Zambie. Il fallait dépêcher quelqu'un en Zambie pour prendre les originaux, dont on trouve un certificat de nationalité déposé déjà annulé. Puisque, disait l'article de la Constitution, une test, la preuve par excellence d'une nationalité, ça s'appelle le certificat de nationalité, et seule personne en République démocratique du Congo a qualité de le signer. C'est le ministre de la Justice, c'est lui seul. Et c'est les 10 certificats dont on a produit qui étaient déjà annulés par le rapport du ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, et lui retiré. Il produit quoi? Quand cette pièce manque, vous ne pouvez pas devenir candidat président de la République. Mettre la question des élections. Alors, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? La CENI, là, et puis, la question des élections, je ne parle pas. Il a répondu. Vous avez compris que je ne réponds pas. Il a répondu. Lorsque vous parlez de Nanga, qui doit avoir participé, je peux une petite arrière. Okay. Une fois Nanga donne sa liste provisoire de ceux qui ont gagné des élections, les contentieux électoral commence, et au niveau du Parlement, un bureau d'âge s'installe pour identifier la majorité. C'est à l'issue de cette majorité qu'on sait que tel a la majorité, n'étant pas les membres du bureau d'âge. Les généraux n'étant pas siégeant au Parlement, ni juge à la Cour constitutionnelle pour certifier la majorité. Puisque la Cour elle-même n'identifie pas la majorité, la Cour identifie ceux qui ont gagné, ceux qui ont échoué. Mais c'est au Parlement congolais que les députés élus déclarent de leur appartenance, et ce travail est déjà parlementaire. Et quel est le travail du Parlement par rapport au travail d'un mythomane de la CENI, par exemple? Merci beaucoup. On va expliquer quoi ici? Merci. Allez revoir votre cours, je vous dis, les élections, telles que vous les dites. SADC, ce sont des observateurs. Ils sont venus voir de quelle manière on va les accréditer pour observer les élections en République démocratique du Congo. Et cette mission d'observation ne fait que des observations. Ce n'est pas une mission de dictat, puisque nous sommes pays membres de la SADC. Et le Congo est un pays souverain, indépendant, autonome. Nous ne recevons des injonctions d'ordre d'aucune organisation supranationale. Pour nous, SADC ne fait qu'endormir ceux qui peuvent endormir. Et nous mettons en garde chaque organisation supranationale, régionale, sous-régionale, qui va oser jouer avec la souveraineté de la République démocratique du Congo pour émettre ou réfléchir. Nous quitterons chaque organisation qui va saper la souveraineté, l'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, maître. Merci. Et Kadima est un citoyen congolais qui n'a pas été à l'IDPS, qui ne l'a jamais été, mais Nanga était le secrétaire national de CCI de Lambert Mende. Si vous voulez, je vous amène la carte et les dossiers d'engagement. Merci. Et c'est Lambert Mende qui le présente à Kabila. En 2006, lorsque Nanga est recruté par le concours de la PNUD,
Kitenge Joël est recruté par le concours de la PNUD, y compris Nanga, y compris Ronsard Malonda, les Claude Mouchendou et les autres. Il regarde la caméra, il sait. Merci beaucoup. Que j'ai travaillé. Merci beaucoup. Alors, et là, lui, il vient de la CCI, de Lambert Mende, où il a été secrétaire national. Ceux qui me regardent, chez nous, ce n'est pas les autres, savent de quoi je parle. Merci. Et de quel parti politique on veut expliquer. Alors, cher Bonafanté, vous avez également 7 minutes pour rebondir à tout ce qu'on vient de dire. Allez-y, cher, sentez-vous à l'aise. Allez-y. Je suis très à l'aise. Très bien. Très, très à l'aise. Il est très à l'aise. Je suis très à l'aise. Allez-y. Parce que je suis en face d'un avocat, mm-hmm. je suis en face d'un politologue, mais malheureusement, mm. malheureusement, je m'y attendais d'avoir un cours aujourd'hui, mais je n'ai pas eu la chance. C'est ce que moi je pensais au moins. Mm. Maître Joël, je commence à voir avec lui, c'est un grand frère. Allez-y. Le vieux, lui-même d'abord, de ce qu'il nous raconte ici, il raconte à la population congolaise, ça me fait encore une fois de plus, couler les larmes. Je me pose la question, c'est un frère que j'ai beaucoup d'estime. Ça, je l'estime. Moi aussi, j'affirme que tu es mon frère. Sans vous couper la parole, j'affirme. On se connaît en dehors, Lipato. C'est mon frère. Très bien. Ah oui. J'affirme. Il doit, quand... il doit quitter la sorcellerie. Là, ah, ça, j'affirme, je ne nie pas. Quand vous nous parlez aujourd'hui oui. de la République démocratique du Congo, mm-hmm. et en même temps, vous nous montrez deux limites de ce qui gère la République aujourd'hui, c'est-à-dire vous. Vous êtes de l'Union sacrée. Mm-hmm. Votre faiblesse. Mais comment sortir de la faiblesse? Il faut seulement chercher le nom de Katoum, soit de Kabila. Pour s'accrocher, pour tromper la population misérable, oubliée, longtemps écouter des promesses sans être réalisées. Et vos échecs, vous voulez maintenant prendre ça, attribuer ça à Katumbi. Écoutez, Katumbi, je le répète encore, c'est un simple citoyen congolais qui travaille pour l'intérêt des Congolais. La différence avec Katumbi, et vous autres, vous prenez, vous lapidez l'argent de la République. Ce n'est pas moi qui l'ai dit aujourd'hui. Kabound nous a encore affirmé. De quelle gestion que vous avez parlé de la République aujourd'hui? Je le répète encore une fois de plus. Vous parlez du stade de Mazembe. Écoutez, Katoum n'a pas pris le stade en otage. Et d'ailleurs, le stade, les noms mentionnés sur le stade n'est pas le nom stade Katumbi. C'est le stade du Mazembe où l'équipe nationale, lorsque martyr le stade de l'État n'a pas été homologué, c'est le stade de Lubumbashi. Acheté par Mobutu. Acheté par Mobutu, oui. Donc de Mobutu à Mazembe. Certainement. Ça revient à l'État. Katumbi n'a pas dit que c'est son stade, pas lui. C'est bien de l'État. Katumbi a dit le stade de la République démocratique du Congo. Exactement. C'est pourquoi il a écrit même le stade de Mazembe. Ça nous a aidé, vrai ou faux? Non, ça ne nous a pas aidé. On s'est servi d'un bien. Ah, ok, d'accord. D'accord, merci. Ça va être bien. Ok. Là, je parle à mon frère, politologue. Allez-y. Je suis tellement triste. Donc, vous êtes dans un parti politique où votre président, c'est Maradona. Il n'est même pas modèle. Lukwebo n'est pas modèle dans ce pays. Je l'affirme, moi qui vous parle ici. S'il faut prendre celui qui n'est plus avec nous aujourd'hui, paix à son âme, qui? Mwandansemi, et prendre Bahati Lukwebo, je prends. Achetez pas Mobutu. Acheté par Mobutu, oui. Donc de Mobutu à Mazembe. Certainement. Ça revient à l'État. Katumbi n'a pas dit que c'est son stade, pas lui. C'est bien de l'État. Katumbi a dit le stade de la République démocratique du Congo. Exactement. C'est pourquoi il a écrit même le stade de Mazembe. Ça nous a aidé, vrai ou faux? Non, ça ne nous a pas aidé, on s'est servi d'un bien. Ah, ok, d'accord, merci. Ça va être bien. Ok. Là, je parle à mon frère, politologue. Allez-y. Je suis tellement triste. Donc, vous êtes dans un parti politique où votre président, c'est Maradona. Il n'est même pas modèle. Lukwebo n'est pas modèle dans ce pays. Je l'affirme, moi qui vous parle ici. S'il faut prendre celui qui n'est plus avec nous aujourd'hui, paix à son âme, qui? Mwandansemi, et prendre Bahati Lukwebo, je prendrai Mwandansemi. Prenez d'abord votre président et Mwandansemi, sur le plan intellectuel. Non,
Moi, je prends mon président comme modèle. C'est un choix pour moi. C'est un choix pour moi. C'est ça la démocratie. J'écris à Moïse Katumbi. Ça je suis libre. Vous l'aimez comme il dit. J'ai des raisons à pousser ici auxquelles amènera aussi les Congolais à croire à moi et à croire au combat de Moïse Katumbi pour la République. L'Union sacrée, le président de la République est mal entouré. Un, Kamer, vomi à l'est du pays. Loukwebo, de même, j'avance s'il vous plaît. Loukwebo, de même. Laissez-lui cracher. Mbosso, n'en parle même pas. Mbemba, un ancien rebelle, cher frère. Chez lui-même, il a vomi aussi. Et vous voulez prendre, ces personnalités et les comparer avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est un modèle. Wow. Il a des empreintes dans la République démocratique du Congo, ici, dont nous parlons. Voilà. Alors, nous parlons, Moïse a laissé des traces. De quoi? Quand j'attends mon frère parler, l'avocat parle que Katumbi a présenté dans ce dossier, il y a un dossier de criminologie. Il voulait comprendre, écoutez, si le terrain de diplôme, je vous dis bien, vous de l'Union sacrée, si ce terrain, ça, ne nous amenez pas là-bas. Sinon, ça risquerait de devenir faux bruit. Très bien. Nous vous disons, nous vous prévenons encore de ne pas nous amener dans ce terrain-là. L'école, camarade, il a étudié avec. Nous vous disons bien de ne pas nous amener là. Parce que moi qui vous parle, j'ai étudié. J'ai les amis, j'ai le parcours. Monsieur, et de l'autre côté... Là, nous affirmons, puisqu'on te connaît. On vous connaît. Tu es licencié, tu es diplômé d'université. Merci. Oui, on te connaît, tu as étudié ici devant nous. Mais ton chef... On te connaît. Mon chef a étudié. Chibanda, il est en Belgique, il a affirmé que Moïse a étudié. Chibanda, c'est pas moi, c'est Chibanda. Il est en Belgique aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, cher Bonaparte. Oui, Chibanda l'a enseigné à l'école primaire, oui. Ah ouais, c'est qu'il a étudié. À l'école primaire, il a lire et écrire. Merci comme il a étudié. Vous êtes à l'école primaire. Merci comme il a étudié. Cher ami, Moïse a étudié. Qu'une seule classe. L'avocat, monsieur, l'avocat a affirmé qu'il est en face de moi que Moïse a étudié à l'école primaire. Alors, c'est ça la base, ça le fondement. S'il a commencé par là, il a évolué alors. Alors Moïse a étudié. Merci. Si ce terrain, je dis encore bien, si ce terrain ne nous amenait pas là-bas. Cher Bonaventure, restons ici. Cher Bonaventure, on termine avec vous. Alors, vous avez vanté Corneille Nanga, qu'il est mieux que Denis Kadima. Mais ça, c'est un peu en soukako. C'est mon frère, il faut le mettre à l'aise. Très bien. Alors, vous êtes pour... Lui, c'est mon sang. Ou vous voyez déjà qu'il y a... On peut avoir un report par rapport au temps qui nous reste. La population congolaise, nous parlons du Congo en général. Très bien. On ne parle pas de l'Union sacrée, des bâtis de Kwebo. Vous étiez dans l'Union sacrée récemment. On est venu aider avec notre petite expérience que nous avons. Parce que le Katanga est là. Le Katanga en témoigne tout, bon. Sauf rien. Et Ali, quoi, dire l'élection, s'il y aura des élections ou pas. D'abord, nous sommes fatigués. Des élections? Non, de ce régime. Notre souhait, c'est de voir le 20, on siffle de gauche, on siffle à droite, que M. ne plus président dans ce pays. Avec tous ces mâles qui entourent Tshisekedi, je ne sais pas maintenant, ils sont fait carrière politique. Après le départ de Tshisekedi, ils seront encore où? C'est ça ma question. Les Bemba, les Loukwebo et consorts. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir aussi un frère politologue qui s'invente, qui est en face de moi, de voir un avocat, un frère que j'espère beaucoup. Que vous invitez dans l'Union. Ensemble, la République. Il y a de la place là chez nous. Venez prester au sein de l'ensemble. Maître Dakesse est là. Prends contact avec lui. Oui. Il y a aussi Laura Onyemba qui est là. Ce sont des avocats. Prends contact avec eux. Ils vont vous aider. Viens prester aux côtés de Moïse Katumbi. Merci. Je pense bien que vous aurez aussi la chance de faire devenir votre intelligence. Merci beaucoup, cher Bonaventure. Mais alors, même, je voulais placer. Allez-y. Maître Diakese a vendu son cerveau à un abruti qui s'appelle Katumbi. C'est bon, dommage. Quand on a été à l'école primaire, je respecte bien, Pichibanda, à la République démocratique du Congo, on a été qu'un enseignant.
à l'école primaire et puis il donnait cours quelquefois aux humanités. Il n'a jamais enseigné ici à l'université. S'il enseigne aujourd'hui, peut-être plus tard. Et la langue de l'école en République démocratique du Congo que tous avons appris, c'est le français. Chose que M. Moïse, nous connaissons, que c'est un poison pour lui. Lorsqu'on parle de Moïse qui a laissé les traces, je dis que celui-ci a laissé les traces de détournement et je vous insiste que Moïse Katumbi a fait la rébellion. Oh. Vous connaissez l'histoire de la saisine de biens appartenant à la Gécamine en Zambie. C'était une créance due à quoi? Celui qui achetait les armes et munitions fournissant à l'AFDEL pour chasser Mobutu, celui qui était chargé de la logistique de l'AFDEL. Et toutes ces armes, après avoir fourni les armes et munitions, il réclame à M. Kabila en contrepartie la gestion de la province du Katanga comme gouverneur. Kabila dit, ne donne pas un étranger, Kabila père. Et il va chez eux en Zambie, il saisit le bien, les marchandises, évaluant de la valeur de toutes les armes dont il en a fourni à l'AFDEL. Les gens n'en parlent pas. Qu'est-ce qu'on parle de la, il dit de même à la rébellion, mais Katumbi a fait ça. Merci, merci. Et c'est pour ça qu'il va, Kabila les traquera pour aller à l'étranger. C'est lui qui va les ramener au Congo, c'est Katumba Mwaki. Que lui-même va acheter un avion, Boeing, qu'il a mis à la disposition de Kabila pour aller récupérer le corps de Katumba Mwaki au Rwanda ou Kabila après qu'il l'a abattu dans la résidence de Kagame. L'avion, soi-disant, crash, c'est l'avion personnel de Moïse Katumbi. Il me regarde, qu'il cherche des éléments. Il a le sang de Katumba Mwaki dans le mail, il a le sang de Kyungu. Moi, je viens tous les jours au Katanga. De quel Katanga on parle? Katanga, c'est la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la Zambie. Il est populaire en Zambie chez eux. Et aucun Congolais ne votera Katumbi puisqu'il n'est pas notre frère. Merci. Alors, on retient quoi aujourd'hui, cher héritier? Nous retenons que le train pour les élections a atteint une vitesse de croisière. Mais ces élections, nous les voulons. Nous nous sommes préparés au sein de l'Union sacrée et dans nos états-majors. Un travail de fond a été abattu. Vous avez vu les dépôts de candidature du président de la République. Nous étions là depuis le matin, sous le soleil accablant, et nous avons quitté très tard. Nous avons montré qu'il y a... 3 millions de supporters. 3 millions. 3 millions. J'étais là, c'était... Et le seul candidat qui n'est jamais venu déposer politique. Ses papiers indicateurs vides, c'est Katumbi qui fuit la presse pour affronter les débats. Ouais, incroyable. Et ça montre qu'il y a cette sorte, il y a cette osmose entre nous. Et le président de la République, il a posé des traces. Contrairement à l'autre qui a posé des traces de la mafia et du détournement, le président de la République a posé des traces pour le bien-être du peuple congolais. Merci. Nous avons Mama Yemo ici. Moi, je partais à Mama Yemo à P6 et P8, aux urgences et aux soins intensifs. Un jour, je passais une nuit à Mama Yemo, 20 personnes sont décédées la nuit. Je demande au médecin qui est à côté, il me dit, aujourd'hui, il n'y a pas trop de morts. Mais parce que véritablement, Mama Yemo était mourir. Les souris venaient manger les corps, les cadavres à la morgue. Pas d'électricité. Aujourd'hui, quand je vois Mama Yemo revêtue de sa belle robe, quand je vois l'hôpital de Mabanga renouvelé avec le régime Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, Sendwe à Lubumbashi. Sendwe, Jason Sendwe. Sendwe, Lukangaba. Vous allez dans l'hôpital, soi-disant, dans le village, soi-disant, de Mosé Laurent Désiré. Non, de Joseph Kabila, soi-disant. Encore. Non, son village, c'est encore. Encore, c'est pas c'est le village de Mosé. Mosé. Kabila, chez eux, c'est Rwanda. De son père, quand même. Ce n'est pas son il y a une père. Avenue, il y a une avenue. C'est Numbi qui le dit. C'est pas nous. Il y a une avenue maintenant. Oui, c'est pas son père. Il y a une avenue maintenant en Tanzanie baptisée Joseph Kabila. Là, il a construit ses palaces. À Tanzanie, oui. Très bien. Là, il a construit ses palaces. Donc, ça montre qu'il y a un changement. Des philosophies. Là où ils étaient au service national. Yeah, Dixit, Mama Lekinaye et Jeannette. Voilà. Donc, nous avons un leadership servitaire, un leadership pour le bien-être du peuple congolais. Merci beaucoup. Nous avons besoin de préserver ces acquis et les présidents de la République représentent pour nous les renouvellements de ces acquis pour les redressements de ces pays. Merci beaucoup. Alors, cher Bonaventure, vous êtes en train de parler de Salomon Kindika Londo au début. Je vous laisse la parole. Celui-ci, c'est un frère qui a marché avec le président aujourd'hui, malgré le président sortant. Mais de toute façon, nous adressons notre demande auprès du président de la République. Il a fait combien de jours déjà en prison? Plus de 140 jours. Mais j'ai connu le colonel Edi Capé, il en a fait combien?
20 ans. Aujourd'hui, 20 ans, il n'est jamais tombé malade. Que Kaka... Je partais le voir là-bas. Merci beaucoup, Cyril. Terminé. Nous vous disons que Salomon est malade. Qu'il meurt alors. Salomon est gravement malade. Monsieur le Président, et puis c'est mon père de la famille. Aider à ce que cet homme puisse retrouver au moins sa santé. Mm-hmm. Comparaître, oui. La politique, oui. Mais il y a une clinique en Dolo, non? Très chère. Sûrement. Qui est d'autre chose. Mm-hmm. Voilà notre demande de ce matin. Mm-hmm. Que le Président nous fasse grâce. Très comme bien. Tu l'as fait avec les autres, mm-hmm. dont on ne saura pas citer leur nom ici. Malgré ils ont pris l'argent de la République, mm-hmm. tu lui as au moins donné la chance d'être soigné. Et aujourd'hui, vous travaillez ensemble avec eux. Les messages sont donnés. Merci beaucoup, chers messieurs, pour votre participation. Les rendez-vous sont pris. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight. Vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.